Santana here. Papa et le chanvre, c'est une histoire d'amour qui a commencé dans les années 70. Une romance qui s'est incomprise des autorités. Mais je dérange. Moisson et coussin aromatique pourrés au cannabis le conduisent en prison. Pour un total cumulé de 8 ans fermes. S'estimant victime d'une injustice, le chanvrier mis à l'ombre entre en grève de la faim. À chaque fois. La dernière diète aura même duré 120 jours. Aujourd'hui libre, la coupe mulet la plus célèbre du Valais a repris du service. Avec cette arrivée de la mode Sévenet, il y en a plusieurs qui m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de faire quelque chose avec moi. Puis pour finir, je me suis embarqué là avec cette société et puis, deux associés qui sont sur Genève. Et puis c'est intéressant parce que eux, ils amènent des moyens. Et puis moi j'amène